On se retrouve à Bonne-Bretagne, à la recherche du Rainbow Friends violet. Une image du Rainbow Friends violet maintenant. Voilà, maintenant vous savez à quoi il ressemble. Et vous l'avez vu, il ressort des bouches d'égout. Un petit peu comme le clown Sar. Vous savez de quelle scène je parle. Donc voilà, le Rainbow Friends a été aperçu ce matin dans Bonne-Bretagne, dans une bouche d'égout. Du coup, nous sommes à Bonne-Bretagne avec une petite carte de la ville. Et notre objectif, c'est de trouver le Rainbow Friends violet. On a une première bouche d'égout. Et suivez-moi, c'est très intéressant. Regardez juste ici. On a des taches violettes. Voilà, donc potentiellement c'est le Rainbow Friends violet qui s'est accroché à la grille. Regardez, on voit des belles traces violettes. Et on entend d'ailleurs du bruit qui provient de la bouche d'égout. Donc voilà, c'est juste ici qu'on vient de trouver. Je viens d'inscrire une petite croix rouge là où est-ce qu'on a vu des traces de Rainbow Friends violet. Et petit à petit, en faisant ça, on va retrouver le Rainbow Friends violet. Ici nous avons deux bouches d'égout. On va aller voir s'il y a des traces du Rainbow Friends violet. Allez, let's go, suivez-moi. On en a une première ici. Ok, aucune trace du Rainbow Friends violet. Il est pas passé du tout ici. Donc voilà, ici pas de trace du Rainbow Friends violet. On va aller sur la prochaine là-bas. Et là non plus, pas de trace du Rainbow Friends violet. Il n'est pas passé par ici. Donc on va s'éloigner un petit peu de cette zone, puisqu'apparemment il n'est pas vraiment là. Je crois qu'on vient de retrouver la trace du Rainbow Friends violet. Suivez-moi. Let's go. Hop. Regardez juste ici. On a des traces du Rainbow Friends violet. Il a clairement tenu la grille juste ici. Du coup, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va noter ça sur la carte. Je note du coup une petite croix. Où est-ce qu'on a trouvé? Voilà, juste ici. Voilà, on vient de le trouver juste ici. Ou alors c'était peut-être un peu plus haut. Non, bon, ça... c'est juste là. Bon, c'est pas grave, c'est pas super précis. On est dans ce secteur là en gros. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petits post-it à chaque plaque où on en a vu, pour pas les refaire en fait. Parce que lorsqu'on est en voiture, on voit pas forcément. On est obligé d'aller voir. Alors que si on a un post-it qui est carrément écrit, eh bien on saura qu'on est déjà passé par là. Du coup, on va mettre juste un petit 1. Voilà, c'est le premier post-it qu'on poste. Du coup, voilà, on va aller le mettre. C'est parti. Hop, on met un petit 1 ici. Voilà, let's go, comme ça c'est mis. Bon voilà, ça tient pas beaucoup, mais au moins c'est mis. Ok, ici il y a une nouvelle grille. On va aller checker vite fait s'il y a des traces du Rainbow Friends violet. Je suis pas sûr du tout. Allez, venez, suivez-moi. On met les warnings. Et là, on a aucune trace du Rainbow Friends violet. Bon écoutez, je pense qu'on va continuer de remonter la rue, puisqu'on a une première trace là-bas. Bon, bizarre, on trouve des traces, mais vraiment à des endroits assez éloignés. J'espère qu'on va trouver des traces un peu plus rapprochées, histoire de quadriller une zone vraiment où potentiellement il est beaucoup là. Parce que sinon ça va commencer à devenir compliqué. Les abonnés, je crois avoir trouvé une nouvelle bouche d'égout marquée par les traces de Rainbow Friends violet. Pas loin du deuxième endroit, on avait vu des traces. Je vais prendre du coup un post-it. On va mettre le numéro 2 dessus. Voilà, on va aller vous montrer. C'est parti, viens avec moi. On va mettre du coup un petit post-it juste ici. Voilà, let's go. C'est noté, on a mis un petit post-it numéro 2. Et du coup on voit clairement des traces du Rainbow Friends violet. Regardez, voilà. Comme quoi il a tenu la grille. Donc là vraiment on commence à voir une zone où il est beaucoup là, où il y a beaucoup de traces de lui. Donc potentiellement on se rapproche du but et du Rainbow Friends violet. Du coup en fait là on est plus là. Alors du coup en fait la première fois on l'a vu c'était plus par là. Donc je vais mettre une petite croix ici. Et c'est vrai que là du coup on commence à voir un chemin hein. Potentiellement un chemin, donc où est-ce qu'il a fini, on va voir. On va remonter de façon ces rues là à la recherche de bouches d'égout où il y a des traces tout simplement du Rainbow Friends violet. Et dès qu'il y en a, eh bien, on vous retrouve. Ok, on fait ça. Ok, à tout de suite les abonnés. Les abonnés, on a perdu la trace de Rainbow Friends violet pendant un petit bout de temps. Et là, on semble l'avoir retrouvé, puisqu'on vient de trouver deux plaques où est-ce qu'il y a des traces. Donc on va vous montrer ça tout de suite. C'est parti, venez avec moi. Allez, let's go. Je prépare des post-it. Voilà, let's go. C'est bon, let's go, voilà, on prépare les post-it. Donc venez voir ici, regardez, on a des traces violettes, regardez-moi ça. Très certainement du Rainbow Friends violet. Du coup, on met un premier post-it, voilà, let's go. Et ici, venez voir, on a d'autres traces encore du Rainbow Friends violet. Donc on met un nouveau post-it, voilà, le numéro 4. Donc là, vous allez voir, sur la carte, on commence à vraiment avoir une zone. Et on devrait pas tarder à voir le Rainbow Friends violet dans la vraie vie. Donc là, j'inscris des petites croix, voilà, on vient de trouver deux fois ici, dans cette rue. Donc regardez, on voit un petit chemin quand même, on voit un chemin qui s'est fait un petit peu. Donc là petit à petit je pense qu'on va avoir une zone qui va se dessiner et on va trouver grâce à tout simplement à tous ces points le Rainbow Friends violet dans la vraie vie. Ça va vraiment être exceptionnel. On a repéré dans la même rue d'autres plaques avec les marques pareilles. Donc là vraiment je crois qu'on approche du but. Venez voir avec moi. C'est assez impressionnant. On en a vraiment partout. Regardez juste ici, on en a. On va noter du coup. Là on est sur la cinquième. Hop là. On va noter ça comme ça.
Voilà, la cinquième. Et ici, du coup, regardez une sixième plaque. Ok, impressionnant. Voilà, on va mettre un post-it juste ici. Voilà. Et du coup, regardez, on a encore des marques, vraiment des mains de Rainbow Friends violet. Ça commence à devenir très inquiétant, mais en même temps, ça commence à devenir excitant, on approche de la zone. Donc là, juste ici, j'en ai des nouvelles traces. Donc regardez vraiment, là, on commence à avoir vraiment une ligne, hein, où est-ce qu'il se trouve. Du coup, on va aller voir de ce côté-là pour voir s'il n'y en a pas quelques-unes. Et du coup, ce sera plutôt dans cette zone-là, je pense. Donc voilà, on approche du but. D'ici très peu de temps, on devrait voir de nos propres yeux Rainbow Friends violet. Je sais que vous avez hâte. Du coup, voilà, dans très peu de temps, je pense que ça va se faire. Les abonnés, on a continué de quadriller la zone et de noter les plaques d'égout où on apercevait Rainbow Friends violet. Et regardez, du coup on commence vraiment à avoir une zone juste ici. On peut même faire un cercle de la zone dans laquelle, eh bien, Rainbow Friends violet devrait être. Voilà, je pense que dans cette zone là Rainbow Friends violet doit être ici. Là il y a encore quelques plaques d'égout à voir et je pense qu'on va pas tarder à le voir dans la vraie vie. Les abonnés, je dis ça et regardez juste là-bas. Oh non, non 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 non, je crois qu'il est juste qu'est-ce ici. Qu'est-ce qu'il y a, je vois pas, je vois pas. Oui, regarde, regarde, filme juste ici. Wow, 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 wow. Tu les vois? Ouais, je les vois, je les vois. Regardez, regardez, regardez. Je crois que c'est le Rainbow Friends dans la vraie vie. Tu le filmes bien? Ouais, je filme bien là. Wow. Il est juste ici, il est juste ici. Rapproche-toi, rapproche-toi. Regarde, 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 les mains qui sortent, les mains violettes. J'ai trop peur, j'ai trop peur. Waouh, je vais essayer de toucher les abonnés. Ok. Wow. Les abonnés, j'ai essayé de toucher la main de Rainbow Friends et il a disparu instantanément en laissant des traces. Regardez. Oh là 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 là, il a dû partir. Ok. Alors là vraiment c'est très 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 flippant. Ok. Je crois savoir où est-ce qu'il y a un accès à ces égouts. Pas loin d'ici. En gros il va falloir remonter les plaques d'égout comme ça. Ok, on va tout faire monter. En gros il faut qu'on remonte le chemin d'égout. Et je crois savoir que pas loin d'ici il y a une entrée dans les égouts. Oh, ok, j'ai une idée de fou furieux les abonnés. On va rentrer dans les égouts et on va trouver Rainbow Friends violet. Je crois qu'il y a une entrée qui est à 200 mètres par là-bas. Du coup à mon avis on va pouvoir rentrer dans les égouts et voir Rainbow Friends violet sous sa forme entière. C'est trop une dinguerie. Ok les abonnés, on va se dépêcher. Donc voilà, on va suivre les plaques, une ici. Il y en a une là-bas, venez, venez. Regardez, il y en a une juste ici, voilà. On suit petit à petit le chemin des plaques. Il y en a une autre ici, j'ai l'impression que c'est ça. Ah, ouais. C'est peut-être pas une plaque ça, mais non. Ah non, c'est une ardoise. Qui était juste là. Bon écoutez, il va falloir qu'on continue de trouver. On va continuer par là. Il doit y en avoir pas loin, je vous parie qu'il y en a pas loin. Et sinon, je crois vraiment qu'il y a une entrée qui est genre vraiment pas loin d'ici. Hein. Je sais pas si toi tu connais un petit peu. Si, mais si, je vois ce que tu dis. Ouais. Qui est au niveau du pont, on va pouvoir rentrer dans les égouts. Oh, on va pouvoir filmer Rainbow Friends sous sa forme entière. Pas juste ses mains qui sortent de la plaque d'égout. Non, vraiment, c'est incroyable. Oh, regardez, on a une autre juste ici. Voilà. Ah ouais. On est sur le bon chemin. Une juste ici, voilà. Alors on pourrait descendre à l'intérieur, le problème c'est que ce serait illégal. Il faut plutôt qu'on passe directement par une entrée ouverte. Vraiment c'est incroyable ce qui se passe dans cette vidéo. Vraiment c'est trop stylé. Du coup voilà, on va chercher d'autres entrées. Venez, on est toujours sur le bon chemin puisqu'on vient d'en retrouver une. Venez, venez, on se dépêche. Juste ici. On entend du bruit qui provient de la plaque. Oui. Ok, on entend du bruit comme si quelque chose se déplaçait. Ok, potentiellement on est vraiment sur le bon chemin. Et c'est par là-bas, on continue, on se dépêche. Il y en a une autre juste ici d'ailleurs, regardez. Toujours sur le bon chemin. Juste là, un peu là, il y en a vraiment partout hein. Ouais, il y en a partout hein. Une autre juste ici, voilà, let's go. On entend encore du bruit hein. Ouais, on entend encore du bruit. On est clairement sur le bon chemin, on se rapproche de l'objectif. Une nouvelle plaque juste ici, voilà. Et là du coup, on est vraiment à quelques mètres de l'entrée des égouts. Donc venez, on continue. Une juste là, voilà. On est encore sur le bon chemin et normalement, on tourne après et on y est. Il y en a une autre juste là, voilà, c'est bon. On est vraiment sur le bon chemin et l'entrée, regardez, elle est juste là. Voilà, regardez, on a les petits escaliers. Je sais pas si tu vois. J'arrive à les voir, je crois, ouais. Il y a une entrée juste là. C'est juste ici. Et là en bas, en gros, il y a une entrée dans les égouts. Venez avec nous, c'est parti, go. Hop, vas-y, tiens la porte. Je tiens la porte, c'est bon. Sois prudent. Ouais. Donc ici, regardez, juste ici à l'accès. Et là, on peut rentrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à 10 000 pouces bleus, on rentre à l'intérieur pour un épisode 2. Allez, bye tout le monde, les potos, je vous aime et à très très vite.